dans ses priorités, a identifié la santé maternelle comme la porte d'entrée du système sanitaire. I wish to tell you that the Ministry of Public Health Care has identified maternal health care as the front door of its sanitary system. Et à partir de cette priorisation, les objectifs principaux deviennent la réduction de la mortalité maternelle, la réduction de la mortalité infantile et le renforcement de l'accès aux soins de santé sexuelle et de la reproduction pour les jeunes et les adolescents. Et pour ceci, les stratégies mises en place visent à augmenter le taux d'accouchement institutionnel ou des accouchements faits par du personnel formé. So as part of our strategies, one of them is to increase the rate of institutional deliveries which will be performed by trained staff. Il s'agira aussi d'augmenter la disponibilité des cadres formés par la formation et le déploiement des sages-femmes sur le territoire national. As well as increasing availability of trained, high-skilled staff, as well as the deployment of midwives all throughout the country. Troisièmement, c'est le renforcement des centres de soins obstétricaux et néonataux d'urgence, les SONU. L'appui aux services communautaires, un appui à la gouvernance locale des départements sanitaires et finalement le renforcement de la formation dans d'autres régions d'Haïti. As you can tell, the main midwives... Alors, en ma qualité d'ambassadeur du Canada en Haïti, c'est avec un immense sentiment de fierté et de plaisir que je me joins à vous pour le lancement de ces deux projets. Le premier est un projet de 15 millions de dollars qui vise à renforcer la profession et les pratiques des sages-femmes en Haïti afin d'accroître le nombre de sages-femmes formées et déployées dans le pays. Il s'inscrit dans le prolongement d'un appui précédent de la part du Canada qui a permis la reconstruction de l'Institut. Spécifiquement, cette initiative appuie le déploiement et la rétention de sages-femmes dans les régions éloignées, en soutenant la formation des sages-femmes à l'extérieur de Port-au-Prince. Il vise la mise en place de deux pôles d'écoles satellites de formation dans les départements du Grand Nord et du Sud. Le projet veillera à la réduite du déficit en sages-femmes dans le pays de 26 % par la formation de 510 nouvelles sages-femmes sur une période de 5 ans, en partenariat avec l'Université du Québec de Trois-Rivières. L'Association canadienne des sages-femmes appuiera le projet au niveau de la reconnaissance de la profession des sages-femmes en Haïti. La deuxième initiative est un projet de résilience du système de santé maternelle, néonatale et infantile dans le département du Sud et de la Grand'Anse, d'une valeur de 25 millions de dollars. Ce projet implique 6 principaux partenaires, dont 4 agences des Nations Unies et 2 ministères clés du gouvernement haïtien, le ministère de la Santé publique et de la Population et le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes. Le but du projet est de contribuer à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile par l'amélioration de la santé des femmes et des enfants dans deux départements du pays, tels que mentionnés, la Grand'Anse et le Sud, en mettant un accent particulier à la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes et au renforcement du droit des femmes à la santé. Les changements escomptés par ce projet s'inscrivent au niveau de l'amélioration de l'offre et de la demande des services. Chaque année, environ 23 941 femmes enceintes, 3 591 grossesses à risque,
4605 femmes potentielles victimes de violences sexuelles, 14365 femmes testées pour le VIH, ainsi que 3470 enfants malnutris, avec et sans complications médicales, vont être prises en charge. Parallèlement, 51 cadres des ministères de la Santé publique et de la condition féminine et des droits des femmes, 130 prestataires de soins, 137 agents de santé communautaire polyvalents seront touchés. L'ensemble des bénéficiaires directs totalise 107 754 personnes. Mesdames et messieurs, au fil des années, un partenariat solide s'est développé entre le MSPP et le Canada, et je saisis cette occasion pour réitérer notre appréciation pour cette précieuse collaboration et en particulier le leadership de votre ministre, la ministre Roy. À cet égard, nous continuerons d'en appeler à une coordination encore plus efficace entre les intervenants du secteur de la santé à tous les niveaux, sous le leadership du MSPP, et restons engagés auprès du gouvernement d'Haïti dans ses efforts en vue de renforcer le financement du secteur de la santé, un secteur crucial pour le développement du pays. Pour conclure, je souhaite souhaiter le meilleur succès aux deux projets que nous lançons ce matin, et je félicite le FNUAP, l'OPMS OPS, l'UNICEF, l'ONU-SIDA, le MSPP, le MCFDF, pour l'excellente collaboration que vous démontrez pour la mise en œuvre des deux importantes initiatives de santé. It's a privilege and honor for me today to be with you all. We're grateful for the support shown towards increasing the number of midwives in Haiti to reduce maternal mortality. Excellence, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration de l'UNFP, UNOPS et du CRUD, mesdames et messieurs distingués invités, messieurs les ambassadeurs, bonjour à tous. C'est un honneur pour nous de vous avoir tous aujourd'hui et nous vous remercions vivement de nous appuyer dans nos efforts pour s'assurer qu'on puisse augmenter de manière significative le nombre de sages-femmes en Haïti et réduire ainsi la mortalité maternelle. According to the WHO recommendations, Haiti needs 2,200 midwives to meet the needs of the population. And today we have just over 400 deployed and working across the country. Selon l'OMS, les estimations pour qu'il y ait un véritable impact en Haïti, il faudrait à peu près 2200 sages-femmes. Or, aujourd'hui, nous n'en avons que plus ou moins 400. It takes teamwork to address something of this magnitude. And for that reason, I would like to invite my colleagues from UNICEF, from UNOPS, from WHO and UNAIDS to join me here, because we're doing all this together. I need you for the rest of this program. Pour arriver à faire tout ça, il faut travailler ensemble de manière collaborative. Et pour ce faire, elle demande aux autres représentants des autres agences qui sont là aujourd'hui, l'UNOPS, mais aussi l'UNICEF. L'OMS, malheureusement, et l'ONU-SIDA n'ont pas pu se joindre avec nous, mais ils sont avec nous en pensée, je pense. At the school that you visited today, there are 147 midwifery students enrolled, and a couple of men as well, because it's all about gender equality. Dans cette école où nous sommes aujourd'hui, il y a 147 étudiants qui sont en cours de formation, et parmi eux, un certain nombre d'hommes, et tout est question d'équilibre des genres. And they will all become part of the cadre of professionally trained midwives that are based on standards set by the International Confederation of Midwives. Après leur formation, ils feront partie du groupe des sages-femmes professionnelles qui ont été formées en accordance avec les standards internationaux mis en place par la Confédération internationale des sages-femmes. Say a word about the teachers of the students, the beautiful students, the 147 future midwives of Haiti who are with us today. Je voudrais dire un mot aux professeurs de nos 147 étudiants magnifiques que nous avons aujourd'hui à l'INSFSF. I'd like to say that a teacher makes a difference. We can all reach back and remember that teacher, those teachers who provided the example, who provided the encouragement.
Un prof, un professeur peut faire la différence. Et nous nous rappelons tous, chacun d'entre nous, d'un professeur que nous avons rencontré dans le passé qui a fait une différence pour nous. We have our directrice. We have Sister Evanou. We have this cadre of dedicated teachers who understand that a midwife makes a difference. Nous avons bien entendu la directrice de l'INSFSF, Madame Chevalier, mais nous avons aussi Sœur Evanou. Nous avons cet ensemble de professeurs qui ont compris qu'une sage-femme peut faire la différence. Midwives save lives. Une sage-femme sauve la vie. It's a magnificent profession, and I think the magnificent building is a living testament to the problem-solving success of this trilateral vision, of this commitment of Haiti, of Canada, of Mexico, of all of us to work together to prevent 1,000 Haitian women from dying annually. Nous savons que la profession de sage-femme est une profession magnifique. L'immeuble devant lequel nous sommes aujourd'hui est aussi un immeuble magnifique qui témoigne de cette capacité que nous avons de travailler tous ensemble pour faire un changement. Pour un changement où nous n'aurons plus ces milliers de femmes, un millier aujourd'hui par année, qui meurent en donnant la vie. And this example of the trilateral cooperation that was spoken of so eloquently by our excellencies. Cet exemple de cette coopération tripartite dont a parlé de manière si éloquente nos excellences les ambassadeurs acknowledges that it is the Haitian community that has set its goals and with whom we wish to cooperate in order to bring that better tomorrow to the woman in the middle.